Derrière moi, vous pouvez voir le César Palace, où se tient aujourd'hui la conférence des revendeurs Grass Valley. Les revendeurs reçoivent des informations de Grass Valley aujourd'hui, un jour avant le début du NAB Show, sur les nouveautés, les nouveaux produits, ainsi que les mises à jour des produits existants. Donc bien sûr, ce fut très intéressant d'apprendre les actualités concernant Edius, pour lequel une nouvelle version 8.5 arrive. Avant de commencer à vous donner les détails à propos de cette nouvelle version, je souhaiterais me présenter. Mon nom est Michael Lehmann-Horn de la société Magic Multimédia Allemagne et nous nous occupons des revendeurs de la zone EMEA, donc l'Europe du Centre-Est, et de l'Afrique. Nous gérons le site internet edius.net sur lequel vous pouvez trouver les dernières nouveautés concernant Edius, comme les podcasts Edius, les tutoriels Edius et encore plein d'informations sur Edius, les outils additionnels et les logiciels comme Dragon. Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans Edius 8.5 ? Il y a une extension de la prise en charge des nouveaux formats vidéo. Les fonctions d'Edius 8.5 prennent en charge un spectre plus large de métadonnées, par exemple sur le GH5, mais aussi pour les caméras comme l'UX180, ou l'UX90. Au fait, comment utiliser et comment travailler avec ces nouvelles fonctionnalités dans Edius 8.5? Vous pouvez étudier cela dans notre dernier podcast sur Edius 8.5. Habituellement, les podcasts sont publiés tous les mercredis. Nous publions le podcast 8.5 en ce moment même, dès la sortie de Edius 8.5. Edius devient de plus en plus populaire. Et les monteurs qui utilisent différentes solutions de montage, comme Avid Media Composer, changent pour Edius, ce qui a pour conséquence que les chaînes de télé ont demandé à Grass Valley d'ajouter une option concernant la zone du point de sortie qui peut fonctionner de la même manière que Avid Media Composer. Cette option est désormais ajoutée. Une nouvelle fonction dans Edius 8.5 est un nouveau encodeur logiciel pour le H264. Il y a une grande amélioration dans la vitesse et la qualité du codec. Le codec est entièrement réalisé par l'équipe de Kobe. Il propose désormais une meilleure qualité, ce qui veut dire que le temps d'encodage est de 30% plus court qu'auparavant, et cela avec une meilleure qualité d'image. La haute qualité d'image peut être constatée particulièrement lorsque vous travaillez avec des débits faibles, parce que dans ces cas-là, la qualité sera bien meilleure qu'avant, même si la qualité était déjà bonne. Maintenant, elle est encore meilleure. Si vous comparez avec l'encodeur Quick5, vous n'obtiendrez pas la même vitesse. L'encodeur logiciel sera plus lent que l'encodeur matériel. Mais la qualité des images, notamment avec les bas débits, vous permet d'obtenir de meilleurs résultats. Il y a de plus en plus d'écrans haute résolution sur le marché, notamment les moniteurs Ultra HD, mais aussi les portables et les tablettes proposent de plus grandes résolutions. Cela veut dire que le logiciel doit s'adapter à cette haute résolution et des parties de l'interface dans la version Edius 8.3 avaient déjà connu plusieurs améliorations et optimisations pour les plus grandes résolutions d'écran. Mais dans la version 8.5, c'est tout le programme qui supporte les hautes résolutions, donc l'outil de présentation, Quick Title et les effets par exemple. Une autre nouvelle fonctionnalité de la version 8.5 est le support du code des dates du format XAVC-S, ce qui est très important pour la police. La police travaille de plus en plus avec Edius et les caméras 4K qui utilisent le format XAVC. Pour la police, il est important d'être capable de tracer la date et l'heure d'un enregistrement, ce qui est désormais possible aussi avec le format XAVC-S. Le gimmick dominant du NAB Show est le HDR. Et Edius possède déjà le support HDR pour le format hybride Log Gamma, HLD, qui est développé par la BBC et la NHK. Et maintenant, avec Edius 8.5, il y a le support pour le format Dolby PQ, donc deux nouveaux espaces de couleurs ont été ajoutés à la correction primaire des couleurs pour supporter cela. Et il y a un autre réglage qui a été ajouté à la correction primaire des couleurs, c'est la possibilité de régler la lumière de la scène ou la lumière de l'écran.
En effet, quand vous étalonnez, et spécifiquement quand vous travaillez avec des sources au contraste peu marqué, comme le S-Log ou les autres formats log, vous avez la possibilité de travailler de préférence avec le mode de lumière de l'écran ou avec le mode de lumière de la scène. Une chouette petite fonctionnalité a été ajoutée à la table de mixage. Désormais, vous avez deux possibilités de cliquer simplement une fois sur le volume ou sur le panoramique, et vous pouvez taper directement dans la zone de saisie la valeur souhaitée. Nous sommes de retour au César Palace et nous allons avoir l'opportunité de discuter avec le vice-président de Grass Valley Japon, Katusha Taguchi, et lui parler des nouvelles fonctionnalités de Mink. Depuis mars, Mink est une partie d'Edus, donc lorsqu'on installe Edus, Mink est installé aussi. Quelle est la fonction de Mink ? Mink est un logiciel de gestion personnelle de médias qui est arrivé avec Edus, que nous avons appelé Grass Valley Browser pendant un long moment. Nous avons renommé le Grass Valley Browser en Mink, car nous avons décidé de vendre Mink indépendamment d'Edus, mais aussi toujours comme une partie d'Edus. Mink est toujours livré avec Edus. Donc, maintenant, avec Edus 8.5, nous avons le support du H265, ce qui veut dire que Mink en bénéficie aussi. Oui, Mink supporte le H265 et la caméra GH5 de Panasonic. Nous avons vu que Edus 8.5 possède un nouvel encodeur. Qu'en est-il de Mink ? Oui, Edus 8.5 dispose d'un nouvel encodeur qui est développé par nous-mêmes, le team de Kobe. C'est un encodeur de grande qualité et de grande vitesse. Il est aussi ajouté dans Mink. Donc, les utilisateurs de Mink vont aussi bénéficier du nouvel encodeur. Mink dispose des fonctions d'Edus. Donc, cela veut dire que, comme l'ouverture sur les formats, le nouvel encodeur, il y a une authentique passerelle entre Mink et Edus. Dans Mink, y a-t-il quelque chose de nouveau ? Oui, il y a une nouveauté importante. C'est la possibilité d'exporter un XML en utilisant Mink et qui est dans la mise à jour Edus 8. Vous pouvez exporter un XML au format Final Cut Pro. Quelles sont les possibilités qu'apporte une telle fonctionnalité ? En utilisant cette fonction dans Mink, qui, vous le savez, fonctionne en collaboration avec Edus, donc, quand vous montez dans Mink, vous avez la possibilité de finaliser dans Edus. Mais maintenant, vous pouvez séparer l'ordinateur Edus de l'ordinateur Mink. Vous pouvez donc couper vos clips avec Mink indépendamment d'Edus et un système Edus pour finir la réalisation de la vidéo. D'accord. Donc, par exemple, je pourrais installer Mink et Edus sur mon portable et Mink et Edus sur mon banc de montage au studio. Et si je voyage et j'enregistre quelques rushs, je peux faire un storyboard avec un bout à bout des rushs dans Mink et maintenant je peux donner ce storyboard à mon banc de montage puissant. Mais comment puis-je aussi transférer les vidéos de ce montage ? Eh bien, vous exportez depuis Mink votre fichier XML avec les clips de cette liste, de ce montage. Avec cette fonction, vous récupérez un dossier contenant les copies utiles pour les transférer dans le banc de montage de votre studio. Donc, vous pouvez poursuivre votre montage en utilisant Edus. D'accord. J'imagine qu'il y aura de nouvelles choses que les utilisateurs d'Edus découvriront en utilisant Mink davantage. Nous avons d'ores et déjà d'excellents retours. Par exemple, des utilisateurs ont retrouvé beaucoup de matières vidéo qu'ils pensaient avoir perdues sur leur disque dur ou dans leur NAS contenant des milliers de clips. Mink a recherché tous les rushs et les a remontés d'un coup. Vous les voyez et constatez qu'ils sont toujours là, donc c'est une aide pour trouver des clips et c'est un retour positif car c'est aussi très rapide. Mink est léger, mais il y a aussi des choses qui manquent, donc beaucoup d'utilisateurs nous demandent, par exemple, d'utiliser les raccourcis clavier d'Edus, à savoir, par exemple, les commandes JKL dans Mink, qui utilisent aujourd'hui les raccourcis point d'entrée et point de sortie, mais pas les JKL. Est-ce quelque chose qui peut être ajouté ? Oui, bien sûr. Il n'y a aucune raison d'arrêter le développement de raccourcis clavier. Nous entendons les retours qui écrivent aussi la feuille de route de notre développement de Mink. Donc nous réceptionnons beaucoup de retours à propos des commandes JKL et d'autres raccourcis clavier, et nous allons planifier cela pour l'ajouter dans une future version. D'accord, très bien, c'est un bon point de vue. Merci beaucoup, et je vous souhaite un excellent NAB Show. Merci beaucoup.
Katusha Taguchi n'est pas seulement le vice-président de Grass Valley Japon, il est aussi un utilisateur enthousiaste de Mink. Il organise ses propres images avec le logiciel, et nous pensons que c'est une très bonne chose, car généralement, les managers n'ont pas plus à faire avec un produit, et nous pensons que cela aide le produit s'il connaît un maximum de choses sur le produit lui-même et peut aider à l'améliorer. Maintenant, je vais vous dire au revoir et meilleurs vœux depuis Las Vegas. Juste un mot à propos des fonctions dont nous avons parlé. Nous avons le podcast EDUS concernant EDUS 8.5 avec la démonstration détaillée des nouvelles fonctions. Donc, jetez-y un œil et peut-être aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de ne rien louper concernant les nouvelles fonctionnalités d'EDUS. Merci et au revoir. Bye bye.